Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Naola depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi, nous allons développer deux points pour une information, mais avant nous faire ça, l'équipe Bombard Media Naola voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media Naola pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard Police, l'équipe Bombard Media Naola, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nous partageons intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien, nous va perdre du temps, n'a déroulé avec information yo. En ouais. Dans l'occasion fête drapeau Haïti, ancien président pays a Joseph Michel Martelly invité acteurs politiques yo pour réfléchir sur symbole drapeau pendant l'invité yo pour prendre yo indépendance yo comme bon exemple pour permettre pays à prendre route développement. Et l'autre information nous gagne pour ministre travaux publics transport communication dans tête collé avec directeur général EDH là. Portez précision sous barrage Pekla pour capable bail pays à courant. C'est information ça nous portez pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier à. Belle fête haïtien c'est débré ni en Haïti ni à l'étranger. Tout étudiant dans la rue, jeune a fait parade. Tout petit monde avec un drapeau dans main. Chaque fois un haïtien brandit de drapeau ça devant le monde. Tout haïtien frémit. Chef de poule levé sous corps. Je senti après vivre encore, quel que soit le monde qui est lié à, quel que soit l'appartenance politique. Blé rouge là tellement vle d'yon bagay dans quel chaque grain haïtien. Rouge là tapé djam pour courage. Et blé à qui c'est prospérité avec la paix. Drapeau à celui qui lié en tout haïtien. C'est symbole ça qui dit que nous c'est yon. Drapeau noir, c'est symbole ça que nous y est. C'est symbole ça que nous t'adorons. Je dis à Nabgade, j'en agi dans la société. J'en division ak chirépit, c'est yo qui prime. J'en nous fait toute bagaille. Toute bagaille tourne politique. Nous perdons l'identité nous chaque jour. Nous ne respectons pas l'autre encore. Nous n'avons pas de tolérance pour la différence qui existe entre nous-mêmes avec l'autre. Nous avons un bon comportement qui ne mène la société nous à aucun côté et qui ne fait pas l'honneur du pays. Et qui ne respecte pas ce qui unit nous à drapeau. Je profite de saluer tout le monde qui a promu dans l'affaire COVID-19. Là. Chaque docteur, chaque infirmière et chaque monde qui a informé la population sous danger coronavirus. Là. Ils sont exempts parce qu'ils travaillent dans le sens drapeau. Ils sont pour l'autre, ils sont pour l'autre, pour payer. Peuple haïtien, les lèvres pour nous mettre tête nous ensemble, nous tous ensemble. Pour nous faire une grosse réflexion, pour nous changer la mentalité, la façon de vivre dans l'autre, pour nous penser vraiment à pays, nous. Dans le sens imité, attache, avec tête ensemble, que le rapport a demandé. C'est seulement si nous décidons tout bon vrai, faire bagaille, nous, l'autre gens, et ensemble, que nous allons jouer une solution pour Haïti. Aller de l'avant. Bonne fête d'abord. Nous retrouvons nous connaître dans le département centre pays d'Haïti, précisément pays ligue, dans le cadre d'une visite ministre de la République, transport et communication, ingénieur Nadia Jassis, qui vient avec lui, directeur général EDH, RVPN, lui. Ministre vini là en façon pour capable de joindre plus d'informations pour connaître qui ça qui la cause problème courant en dans pays. Nous allons quitter la population suivre l'image avec nous et puis tout, nous allons attendre les responsables qui vont nous plus de détails concernant la visite ça a fait dans le pays. Là. We'll be right back.
Garantie population, c'est que 54 mégawatts par la limite et tous les trois groupes ont le marché. Kounia, il va fonction de hauteur de vent. Et ça, nous avons des banapes sur là. Et un paquet d'experts, dont Brunet Georges, qui dernièrement qui a pris chance avec nous. Et nous avons tous des gens qui ont la réalité. Angus qui a géré et Pélican pour nous, il est très bien formé. Et moi, des négos. Et c'est qui mettait à droite pour la population en service qui mérite. Et il y a une capacité pour la population en service. On a beaucoup de responsables. C'est sûr, à partir du mois de mai, pour arriver avant 15 juin, tous les trois groupements encore fonctionnels. Il y a préparé. Donc avant, on a fait ça tout. Il faut que Port-au-Prince et toute notre zone soient au courant. C'est ça que je viens de faire là. C'est pour une bataille pour que Central Pélig, non seulement trois turbines retournent fonctionnelles, mais toutes différentes fonctionnalités, c'est-à-dire toute salle qu'on fait, que ce soit pour reprise réseau, pour n'importe qui groupe capable de faire, même Jean Satéye à l'origine, Jean Satéye, le Central Pélig. Le groupe là, normalement, il peut entrer en exploitation après un travaux de réhabilitation en 2018. Donc, normalement, quand on travaille ça, eh bien, on travaille de si bonne envergure, eh bien, après la réalisation du travail, il y a des corrections qui sont faites. Donc, au cas où on a des imprévus, c'est ça qui est fait. Nous devons gagner dans le groupe. Qui te dit bien, un problème que vous constatez sur lui, c'est groupe 3, c'est pour le groupe ça qui a commencé produit après réhabilitation, et eh bien, vous constatez un problème technique sur lui, donc en principe, pratiquement lié à l'arrêt, mais consulté avec pour tout le monde, qui était ma en cours, pour que vous reconditionnez et permettre le groupe là rentrer en exploitation. Tout suite après. Donc, nous gagnons un deuxième groupe, qui est le groupe 1, qui a marché correctement. Et bien, nous avons réussi la semaine dernière un problème technique sur lui. Donc, nous travaillons d'arrache-pied sur lui. Et nous avons de bonnes voies. Et nous espérons dans les prochains jours, donc, le groupe sera capable de retourner en exploitation. Donc, pour le moment, nous avons un groupe de lui-même qui normalement en exploitation, mais en raison des problèmes, on a dit, de débit d'eau, disponibilité d'eau, eh bien, production de limitée. Donc, nous, qu'on y a en saison pluvieuse, nous espérons que l'eau n'a pas de disponibilité d'eau, ça permet que nous continuons de produire, et entre temps, nous espérons normalement la retourner en exploitation, et laisse ça. N'a gagné disons 36 mégawatts normalement disponibles et groupe 3
Donc, négociation en cours pour que nous soutenions à tout le monde et travail et remettre en exploitation les 54 MW dans la plus disponible. Et les pédés à 54 MW, eh bien, réseau métropolitain lui-même, en bonne santé et les services et DH là à Babylone. On ne va pas parler de groupe. Alors, un groupe, non central hydro, si on est capable de dire son turbine qui est lié avec un alternateur. Ok? Donc, c'est-à-dire que nous avons trois dans central télique. Alors, nous avons une capacité de 54 MW. Chaque turbine est capable de livrer, disons, 18 MW. C'est 3 fois 18 qui nous donne 54. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de l'unité numéro 3. C'est une façon que nous identifions. Les éléments de production, c'est d'abord moun. Deuxièmement, c'est connaissance et puis moyen. Une fois que moyen ou même disponible sur ce site-là, donc nous pensons dans 3 semaines. Et unité numéro 2, un jeune qui est technicien administration qui rappelle ça, et puis l'opérationnel. Donc, dit unité numéro 2 opérationnel, maintenant c'est que nous venons en accord avec les constructeurs pour l'unité numéro 3 et que nous pensons que nous sommes capables de retourner avec puissance communale, nous qui c'est 54 MW et que l'État va le gagner en grande amélioration. Jusqu'à gérer et Pélic d'Abonon qui est très bien formé, et maintenant il y a essayé que le tête droit pour la population service qu'elle mérite. Nous disons population que l'infrastructure là, il y a des petits problèmes, mais pour les mineurs. Nous disons tout que matière première là, qui c'est gloire, eh bien, il n'est pas dépendant de nous, mais nous pouvons nous en période là. Il ne peut pas parler pour venir. Nous répétons deux bagages. Infrastructure là. Si vous n'avez pas d'infrastructure, vous avez de l'eau, vous ne pouvez pas parler pour l'eau. Si vous avez de l'eau, vous n'avez pas d'infrastructure, c'est le même bagage. Infrastructure là, il y a des petits problèmes que avec le ministre, avec la Bible, avec les techniciens, EDHU, avec l'Anglis, nous devons dégager nous pour nous ranger rapidement. Financement et travail ça, en grande partie, qui était assuré par la Bible. Et nous écrit plusieurs fois la Bible pour nous dire que voilà, il y a des factures qui sont en souffrance. Ça vient de faire que le constructeur mal pour mobiliser l'équipe. Et finalement, il y a des problèmes de fonds. Et puis grâce à ministre qui est autorisé de désaffecter les fonds qui étaient affectés à un projet dans le travail public pour remettre sur l'électricité. Donc, il y a des montants de fonds pour finir payer les fournisseurs pour que le travail soit fait. Et nous, nous sommes garantis que la volonté à la capacité à la. Et il y a un environnement international avec la BDC qui a créé des problèmes. Nous avons des supports d'eau parce que nous avons support la BID pour que le constructeur retourne et fait travail là comme ça doit. Puisque il y a des travaux qui sont faits. Mais le règle de l'art là, il n'est pas là à 100%. Et dans le cas ça, nous demandons pour que la Bible appuie nous, pour que, comme ces constructeurs ont des contrats, pour garantir et travailler pour que les constructeurs retournent le plus vite possible, pour que le travail soit fini. Nous disons aux populations pour retirer tête de prise. Trois cas de problème que nous avons là, qui fait que les compagnies n'ont pas qu'à financer pour tête là. C'est comportement population. Parce que courant pas qu'à gratis. Voilà, nous suivons ensemble réaction du directeur général EDH, ingénieur Hervé Pierre-Louis, avec ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Jassis, et puis responsable Péligla, qui c'est ingénieur Ernst Kader, qui souhaite plus de détails concernant le problème ça qui a cause
pas de courant dans le pays. Les responsables ne garantir d'ici 15 jours, il y a résolu le problème ça. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.